Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un parallélogramme à l'aide de la règle et du compas. Donc ici, nous devons construire le point H tel que MATH soit un parallélogramme. Donc MATH est un parallélogramme, donc nous pouvons déjà tracer le côté MA et le côté AT, en suivant l'ordre des lettres telles qu'ils nous sont données dans le nom du parallélogramme. MA et ensuite AT. Il nous reste maintenant à placer le point H. Donc pour cela, nous pouvons voir que nous avons le début de notre parallélogramme ici. Donc si nous continuons, nous pouvons nous deviner que le point H se situera environ ici. Nous pouvons même matérialiser cette zone en nous pensant que le point H sera donc situé quelque part par là. Donc ensuite, nous allons utiliser la propriété suivante qui nous dit que si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc à l'aide du compas, nous allons prendre un premier côté que nous avons déjà tracé, ici le côté MA, et nous allons reporter sa longueur à l'opposé en partant du point T. Nous faisons de même avec le côté AT, on reporte sa longueur à l'opposé en partant du point M, et on trace un arc de cercle. À l'intersection des deux arcs de cercle, on trouve le point H, et nous pouvons donc tracer notre parallélogramme MATH.